Salut tout le monde, c'est Galax, j'espère que vous allez bien. Chers Galaxiens, chers Galaxiennes, on est parti pour une nouvelle carrière suivie, la numéro 8 sur Grid 2. J'espère que vous allez bien. Donc et là vous vous dites, mais attends, c'est quoi cette voiture, on l'a jamais vue. Alors je tiens à m'excuser d'avance, parce que j'ai tourné un épisode un petit peu dans le vide. Vous allez me dire, oui j'ai tourné un épisode avant, donc j'avais tourné normalement l'épisode numéro 8. Et le fait est que, bah écoutez, j'ai eu un problème, Steam m'a quitté le jeu, et donc a arrêté complètement la capture. Parce que Steam apparemment ils m'ont dit qu'il y avait une surcharge de joueurs sur le jeu et donc du coup que ça avait planté et vu que j'étais connecté donc là maintenant je joue hors ligne justement pour essayer de ne plus avoir ce problème et j'espère que tout va bien se passer. Alors je vais quand même vous dire ce que j'ai fait auparavant et comment j'ai fait pour gagner ce véhicule. Donc au pire ce n'est pas trop grave vu que c'est des épreuves, c'est des courses du moins qu'on avait déjà vu auparavant, sauf... D'accord on s'en fout. Sauf l'épreuve de promo. Alors l'épreuve de promo j'aurais voulu vraiment vous la montrer. C'est un petit peu dommage, donc je ne peux pas vous montrer l'épreuve de promo qu'il y avait, c'était un dépassement également, bon rien de non plus extraordinaire, on l'avait déjà vu sur la saison 1, mais c'est un petit peu dommage, j'aurais voulu vous le montrer, donc en tout cas excusez-moi et veuillez excuser Steam d'avoir bugué, voilà. Donc heureusement, je n'avais pas commencé le WSR, donc le World Series Racing, donc encore heureux que je n'avais pas commencé ce grand tournoi, les amis. Donc, exceptionnel, me dit 3 de voir la course à Côte d'Azur aujourd'hui. Ouais. Donc, ce qu'on avait fait, on avait fini, j'ai fini de mon côté sur l'épisode blanc que j'ai voulu faire. Je croyais que ça allait marcher, que j'aurais pu vous le poster. Et ben non, vu que Steam a planté, donc ça m'a planté ma capture. Donc, j'avais terminé donc tout ce qui était éliminatoire. Donc, on avait fini déjà l'épisode d'avant, je crois. Et j'avais fini Rox Stunt, je ne sais plus quoi là justement, pour terminer les épreuves, et j'avais fait également l'épreuve de promo. Enfin bon, c'est pas grave, on va faire ce qu'on peut, tant pis, c'est une petite perte de course, ce n'est pas ça le plus important est le WSR de la saison 2. Donc on est parti avec la série de courses Rockstar Energy, en deux manches. Alors attention, Côte d'Azur, la Turbie, c'est parti avec une nouvelle voiture, avec l'Alfa Romeo 4C que l'on a gagné. J'avais roulé dans l'épisode, on va dire, blanc, que vous ne verrez jamais, avec la Hyundai et la BMW, voilà, et la Mercedes. Voilà, sinon là j'ai pris l'Alfa Romeo que j'ai remporté, et on remportera par la suite une nouvelle BMW. L'Alfa Romeo, je l'ai remporté, je crois, écoutez, c'était un cadeau pour avoir accès à ce WSR, voilà, tout simplement. Donc on est parti les amis pour la série de courses. Alfa Romeo 4C, let's go. Donc là je vous promets que normalement tout marchera bien, il n'y aura pas de coupure vu que je suis hors ligne avec Steam. Donc en tout cas je croise les doigts parce que Steam, des fois il me fait des petits caprices et c'est un petit peu énervant quoi. Voilà, donc espérons, je croise les doigts. Véhicule de carrière acquis 15, donc on commence vraiment à avoir énormément de véhicules dans le jeu. Attention les amis, on est avec l'Alfa Romeo, c'est parti. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi jolie voiture. Vous avez pu en plus voir que je l'ai modélisé un petit peu en rouge et noir. En rouge et noir. Donc on est parti, quel beau paysage. La Turbie, la Côte d'Azur. Attention. Dégage, je joue très très mal. Donc on est parti. Alors je vais répondre à quelques-uns des commentaires que j'ai eu dans l'épisode précédent. Qui m'ont dit, Galax, tu pourrais être plus agressif, quoi. Alors sachez une chose, c'est que de nature, je suis assez agressif, voilà, on va dire ça comme ça, dans les jeux de course, hein, je veux dire, hein, pas dans la vie réelle, dans les jeux de course, parce que je suis un peu arcade simu et non pas uniquement simulation, mais c'est vrai que des fois, j'ai ma conscience qui me dit, Galax, essaye d'avoir un comportement irréprochable envers les autres, comme ça tu pourras dire au moins que t'as remporté la course de manière, entre parenthèses, loyale, voilà. Tout simplement, même si ce type de jeu se doit d'avoir une conduite un petit peu en mode dérapage, en mode freestyle, j'ai envie de dire. Mais là, c'est vrai qu'avec cette voiture, ça va encore plus vite, donc attention, elle dérape encore plus. Peut-être que j'aurais dû prendre l'autre d'avant qui était en mode équilibré. Ouh là là, vous pouvez voir qu'elle part très très vite. Hein. Niveau tenue de route, ma chère, c'est pas ça. Hein. Franchement, attention. Niveau graphisme, ça me fait quand même pas mal penser à Need for Speed Hot Pursuit. Alors pourquoi Hot Pursuit, je ne sais pas. Spécialement à ce jeu-là. Ou alors aussi à Need for Speed The Run. Peut-être même plus à The Run. Non. Dégage. Voilà. Oh, je l'ai bien bloqué. Oh là là, c'était magnifique. Bon, j'ai percuté moi aussi le caillou, le gros rocher de la montagne. Mais il s'est ramassé le caillou lui aussi. Ouh là là. Ouh là là là. Oui, dès qu'on part un petit peu, c'est fini. Hop, allez, on freine tout de suite.
Attention au virage. Donc toujours, je joue toujours à la manette, hein. Je n'ai toujours pas reçu mon G27. Je ne l'ai même pas commandé, je le commanderai vers le 20 juin. Normalement, si tout va bien, je le recevrai dans ces eaux-là. Je l'espère en tout cas. Je suis pressé, j'ai hâte de l'avoir, pour vous faire de plus en plus de jeux de course. Voilà, premier. 1 minute 50 secondes, 165 centièmes. Wouh! Allez, on continue les amis. HD Galax, toujours premier, avec 20 points. Ok. Sympathique. Allez, on va attaquer la deuxième manche. Alors là, attention. Ça se complexifie de plus en plus. Et mine de rien, on a pu voir à l'épisode d'avant, épisode numéro 7, que justement la difficulté augmente au fur et à mesure des saisons. Côte d'Azur, Léopolda. L'attention monte, attention, à surveiller Callum Kirkwood, vedette des WSR. C'est parti, let's go. Ah, Gillette, j'adore. Alors, attention, concentration, Bruno Silva, j'ai Harrison juste devant. Donc, que des gros caïds qu'on avait pu voir sur les deux saisons. Sur l'ensemble des deux saisons, justement. Donc, Callum Kirkwood, attention à lui. Attention aux deux devants également qui sont, je vous l'ai dit, Harrison Carter, champion WSR, à part nous, bien entendu, de la première saison. Oula, champion de la première saison et Silva de la deuxième. Alors là, attention. Ah, il y a Vela, non, c'est pas Silva, c'est Vela, Lorenzo Vela. Alors attention à lui aussi. Pardon, je m'appuie sur toi. Ah, Vela apparemment part tout seul dehors. Oui, attention, pas tout seul devant du moins. On va devoir le rattraper très rapidement. Donc je ne joue plus en vue capo parce que certains ont dit que ça ne leur plaisait pas. Mais écoutez, moi ça ne me plaît pas non plus de jouer en vue capo. Je l'ai essayé et je trouve pas que la vue capo est très exceptionnelle, on va dire. Elle est moins jouable que la vue extérieure, surtout quand vous avez plein de véhicules à côté. Voilà, donc... Attendez, pourquoi il m'a doublé lui? Tu vas me dire que t'as plus de puissance que moi. T'as plus de vitesse de pointe. Ah oui, ah, il a plus de vitesse de pointe que moi. Moi je sais bien que c'est une voiture américaine, mais quand même. Oh, dégage. Il a voulu me faire partir en tête à queue. Oh le méchant. Alors je sens qu'on va encore finir deuxième. C'est vrai que ça commence à vraiment pas être évident pendant les courses. On m'a conseillé vraiment, et encore merci à ceux qui me laissent des commentaires, de surtout bien garder le flashback. Alors je pense que c'est un bon conseil. Ah voilà, par exemple par ici, garder le flashback pour essayer de bien conduire. Ah, elle dérape comme de rien. Cette voiture, elle dérape comme de rien. Alors tu comprends pas ce qui t'arrive. T'as dérapé, tu comprends pas comment. Ah bah attendez, j'utilise même pas de frein à main, je dérape. C'est comme ça abusé. C'est vraiment une patinette, hein, elle. Hein. Alors c'est encore certaines voitures depuis le début du jeu. Je pouvais pas dire qu'il y avait une conduite de patinette, mais alors là, de savonnette. Alors là, c'est du savon. Hein. Moi je vous le dis. C'est vraiment du savon. Hein. Pas évident. Allez. On va essayer de finir tout ça. Donc oui, pour tous ceux qui me demandaient si je pouvais faire plus ou d'autres jeux de course, on va dire. Donc je viens de m'acheter, et beaucoup d'entre vous le voulaient, et m'en ont parlé dans les commentaires des vidéos, Test Drive Unlimited 2. Et là vous dites, ouais super, il s'est pris le jeu, super, on va pouvoir jouer en multi. Ouais, bah écoutez, oui, hein, je pense, sans problème. Donc j'ai acheté le jeu sur un site américain, donc je ne saurais plus vous dire le nom. Je l'ai acheté en clé CD justement, et j'ai le mode solo et le mode multijoueur bien entendu. Et justement, donc on finit deuxième, dommage. Donc on est toujours premier à 36 points, donc 4 points d'écart avec Vela. Donc tant mieux, on a gagné. Et justement, bah écoutez, je vais pouvoir jouer à Test Drive Unlimited 2, je l'avais déjà sur 360. Et c'est un très très bon jeu, sauf que je n'avais pas de volant sur console. Donc c'était pas évident et c'était moins agréable que de jouer justement avec un volant. Ça va décupler l'intérêt du jeu et la conduite et le plaisir de jeu tout simplement. J'espère vraiment que ça va être excellent. Oula, on atteint presque les 500 000 fans, on est à 480 500. Attention, ça approche le demi-million. Allez, on continue les amis de WSR. Donc, prochaine invitation. Série de courses Virgin Media. Ensuite, série d'éliminatoire Von Zyper. Et donc, nous en sommes à série contre la montre, Auto Express. Ensuite, on fera ça. Et on aura la finale de disponible. Donc, on est parti. C'est en deux manches également. Série de contre la montre, Auto Express. On est parti, Algarve. Donc on va garder l'Alfa Romeo parce que c'est la plus puissante, hein, forcément, vous vous en doutez bien. C'est la dernière voiture qu'on a eue et au fur et à mesure, les voitures sont de mieux en mieux. Donc pour l'instant, on est toujours dans la catégorie 1 des véhicules. Donc bon, c'est assez simpliste. Mais je me demande quand c'est qu'on va justement arriver dans les catégories 2, 3, 4, 5. Enfin, je ne sais pas s'il y a une cinquième catégorie. Je ne sais plus exactement le nombre de catégories.
Algarve, circuit Grand Prix, circuit GP contre la Montmanche 1 de Tours. Alors là, attention, là on revient à du vrai circuit, du bon circuit. Alors quelque chose que j'adore, mais je préfère... Bon, j'ai une préférence quand même pour les circuits urbains, si vous voulez mon avis. Mais après, chacun son truc, surtout que celle-là, c'est une voiture qui dérape quand même. Alors on va devoir se concentrer niveau contre-la-montre pour faire un bon temps. Alors, on est parti, là on est pas mal. Allez, toujours 12e, on n'a pas passé le point de contrôle, si je puis dire. Donc pour l'instant tout se passe bien. J'ai pas augmenté le véhicule en puissance, donc je ne sais même pas si on peut, je ne crois pas d'ailleurs. On a des puissances déterminées. Ah, c'est pas vrai. Des puissances déterminées par véhicule. Ok. On est plutôt bien passé. Bon, je suis pas un expert non plus, donc Miguel Souza qui est premier. Putain, les reflets de soleil, ça tue. Merde, j'avais pas vu. Autant pour moi. Franchement, je dois pas faire un bon chrono. Hein. Là, si je suis premier sur cette course, c'est pas normal, hein, j'ai envie de dire. Alors, je suis 11e. Hop. On voit rien. Alors, franchement, le piège de ce circuit, c'est clairement les rayons du soleil qui t'aveuglent complètement à chaque virage. Alors, c'est sûr que niveau graphisme, hein, le jeu est vraiment très réussi. Hein. Ça, y a pas de souci. Et justement, je voulais vous parler en parlant de Test Drive Unlimited 2 de l'orientation, on va dire, de ma chaîne YouTube. Alors, vous voyez qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de jeux de course, il y a pas mal de Euro Truck. Il y a Euro Truck une fois par semaine, donc ça va peut-être augmenter. Ça, je vais peut-être changer le concept de la chronique du routier, vous verrez bien, mais bon. Bon, c'est pas dit non plus que. Oh là, c'était chaud! Oh, je suis premier, mais avec un objectif une seconde près, donc concentrons-nous pour le reste, sérieusement. Allez, donc voilà, et ma chaîne, oui, je vous disais, va prendre de plus en plus de l'ampleur en termes de simulation et de jeux de course, donc pas que de la simulation, hein. Il y aura aussi de l'arcade simu comme Test Drive, zut, il y aura aussi de l'arcade simu, je pense que ma chaîne, je ne puisse jamais dire que ce soit la chaîne 100% simulation comme Danger par exemple, mais je pourrais dire que c'est la chaîne 100% simu arcade. Voilà, parce que j'ai toujours gardé un aspect un petit peu déjanté, fun à ma chaîne, et le côté simulation... Simulation, c'est un peu trop sérieux, au bout d'un moment, on se croirait trop dans le métier, donc pour ma part, c'est important d'avoir un côté déjanté, un côté aussi un petit peu plus brutal, un petit peu plus action avec de l'arcade, et après, bon, tout ce qui est le côté, encore une fois, pure gaming, j'ai envie de dire, avec par exemple du The Last of Us, du Max Payne, du Tomb Raider, du Far Cry, des trucs comme ça. Voilà, donc ça, ça restera, ça ne partira pas sur ma chaîne, hein, je tiens à vous le dire, hein, parce que c'était entre vous à se dire, oh là là, il va commencer à faire que de la simulation et de la course, on est super content parce que nous, on aime que ça. Non, 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 il y aura quand même du multigaming, je n'oublie surtout pas ça, je n'oublie surtout pas, j'ai envie de dire, mes fondations, et oui, parce que j'appelle ça comme ça, mes fondations en tant que vidéomaker, parce que c'est quand même en vidéo test que j'ai commencé, je faisais des vidéo tests de multigaming, de n'importe quel jeu vidéo, hein, en passant de Far Cry à n'importe quoi. Donc voilà, je n'oublie surtout pas mes racines en gardant le multigaming, et je sais que ça plaît quand même à un certain public. Donc voilà, surtout pas du Resident Evil, tout ça, je garde. Mais je ferai, et c'est sûr, de plus en plus de courses et de jeux de simu. Voilà, je tiens à vous le dire, donc que ce soit du Dirt, du Grid, du Forza, du Gran Turismo, du n'importe quoi, mais il y aura vraiment pas mal de trucs. Ah, premier, c'est bon. Ou à mon avis, c'était à quelques dixièmes près. Une 32, ouais, ça va. Oh là là, regardez ça, une 32 900, une 33 429. Ah ouais, c'était vraiment très très chaud là. J'ai fini premier, mais il faut vraiment s'accrocher, hein, moi je vous le dis. En même temps, je vous l'avais dit depuis le début de la course, je faisais pas un super chrono. J'ai quand même réussi à finir premier, heureusement. Donc on est en mode normal, hein, on n'est pas en mode difficile, on n'est ni en mode facile. Donc bon, c'est pour ça que c'est pas trop dur, mais en même temps, pas non plus tant facile que ça. Allez, deuxième manche. Algarve, circuit national, contre la montre manche 2, 2 tours. C'est parti. Let's go. Alors, cette fois-ci, on va essayer de faire un meilleur chrono si possible. Parce qu'ils se défendent quand même bien face à les cocos. Hein. Donc attention. Donc changement de sens. Non, non, non. Bah, ça commence très très mal. Ça commence même très 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 mal. Bah, tant qu'on peut couper. Ah si, on peut couper apparemment. Ça n'enlève pas de temps, parce qu'apparemment, je me souviens que dans Forza Motorsport... Justement, il y avait le temps. Si t'allais dans la pelouse, tu perdais du temps, si je ne m'abuse. Donc, c'est vrai que ce point-là était quand même très très bien dans Forza. Et bon, écoutez, apparemment, ça y est pas ici. Donc, tant mieux. Ah, mais ils sont assez... Ce circuit est assez piège parce qu'on voit pas vraiment les virages, comment ils sont faits à l'avance. En plus, il y a beaucoup de... Voilà, c'est bon. Apparemment, il y a des nuages, il y a un temps plus maussade. Donc, normalement, on devrait moins avoir d'effet de soleil dans les yeux. J'ai envie de dire. Hop,
On y va. Donc à mon avis, si je suis premier, là je me fais curer. Hein. Objectif 1.42. Donc on connaît l'objectif à battre. Voilà. Impeccable. Là on est bien passé. Peut-être que c'est sur ce virage-là que je vais me rattraper. Apparemment j'ai une vitesse de pointe assez bonne comparée aux autres. Allez, on le double lui dans le virage. Hop, donc ça s'annonce plutôt bien. Si on arrive à les doubler, c'est cool. Voilà, je suis plutôt bien passé. Voilà. Petite concentration. À gauche, ça tourne dans tous les sens, les amis. Voilà, c'est bon. Allez, une 42, une 42. Est-ce qu'on va y arriver? Une 33, une 34, une 35. À mon avis, on est large. Oh oui, on a 5 secondes d'avance. Bon. Bah écoutez, on est plutôt à l'aise dans ce côté de circuit. Celui d'avant était un petit peu plus complexe. Celui-là, il y a un peu moins d'effet de soleil, donc on peut mieux s'en sortir. Voilà. Attention. Voilà, on s'en sort. On est plutôt pas mal. Allez. T'as vivement que j'ai mangé 27. Non, je suis sorti de piste. C'est pas grave, on essaye de pas trop utiliser le flashback. Ah, je sors tout le temps de la... Je sors tout le temps de la piste. C'est pas grave. On essaye de s'en sortir. Allez, donc là... Hop. Sur la bande d'arrêt d'urgence. Non, pas trop. Voilà, on passe bien. Donc là, je suis un petit peu concentré, les amis, parce que j'ai pas envie de perdre. J'ai bien envie de terminer premier. Donc pour l'instant, Lucien est deuxième. Nous, on est premier sans problème. Voilà. Oh, pas mal celui-là. Lucien Galfione est aussi un grand adversaire de cette saison 2 de Grid 2. Donc là on est plutôt bien, on va devoir aller à droite, attention. Là on attaque les virages plus serrés. Oula, est-ce que ça va pas me faire couper virage? Non, même pas. D'accord, donc on peut couper par l'herbe, ça pose pas de problème. C'est pas moi qui vais m'en plaindre en fait. Hop, oula, attention, là c'est les virages serrés. Voilà. Allez, une 29, je crois qu'on est à peu près pareil on va dire que la fois d'avant. Je suis peut-être même un moins bon temps. Ah oui, on va battre le record ou pas? Non, j'ai pas battu mon record, j'ai fait un petit peu moins, allez, de 3 centièmes de plus que le tour d'avant. C'est pas grave, on fait une 37.013, tout est nickel. C'est tout, je suis à 5 secondes d'écart. Voilà, on a remporté. Ah, là par contre, 40 points à 32, tout va bien. Ah, je suis bien content. Position à l'arrivée, premier, voilà, magnifique. Objectif atteint, 0. Ah bah ça c'est vrai que les objectifs de sponsor c'est pas évident à toujours réaliser, surtout que c'est pas quelque chose que je me fixe réellement en fait, moi je cherche plutôt les objectifs de course. Allez, au-dessus de 500 000, attention, 540 000, 500. Si ça c'est pas beau. Eh bah écoutez, on continue le WSR, on est bien parti, de toute façon il n'y a plus que ça, il n'y a toujours pas d'épreuve de promo. Ah, il y a un défi automobile, attendez. Et promo. Ah si, il y a deux épreuves de promo. Alors attendez, on va les faire, Coco. Un défi, donc pour gagner la BM, on va le faire aussi. Allez, on fait le défi de la BM. Battez le temps 1 minute apparemment avec la BMW série M. Série M coupée. Donc on va pouvoir sûrement gagner la voiture, la voiture. Ouh, on dirait un 4x4. Il me semble qu'elle a un poids assez lourd comparé justement à l'Alfa Romeo. Parce que dans l'épisode blanc que je vous avais fait avant, vous ne pouvez pas voir cet épisode-là vu que j'ai un problème de capture. Justement j'avais le choix entre l'Alfa Romeo et celui-là. Et celle-là, et justement l'Alfa Romeo est un petit peu au-dessus dans tous les domaines, hormis un seul, je ne sais plus lequel c'est. Par contre celui-là est beaucoup plus lourd. Ah oui, c'est une voiture beaucoup plus lourde. Par contre elle est plus jolie. Quoique non, non les deux sont pareils. J'avoue que j'aime bien cette BM. Elle est quand même assez classe, vraiment. Puis les véhicules sont vraiment bien modélisés dans le jeu, hein. Il n'y a aucun souci avec ça, hein. Franchement niveau graphisme il n'y a pas grand chose à reprocher. Ça m'a déjà fait ralentir. Allez, par contre, niveau du poids, tu sens que c'est beaucoup plus lourd, hein. Alors peut-être que ça part moins aussi, je ne sais pas, on va voir. On verra bien en termes de dérapage, forcément c'est moins leste. C'est moins agile dans les virages. Mais, ah oui, c'est plus lourd, on le sent. Ah, moi je le sens vachement, hein, quand les véhicules sont plus lourds. Je vous garantis que ça se sent, hein. Franchement, un véhicule est plus lourd, tu vas le sentir direct. Sur la conduite, ça influe directement sur le gameplay. Donc ok, on est à 135, 160 km/h. Attention. Oula, c'est une épingle, là, c'est quoi? Ouais, je me suis méfié quand même. Une minute, alors est-ce qu'on va y arriver? 51, 52, 53, 54, 55. Et 5 secondes d'avance. Voilà, magnifique. Donc c'est bon, j'avais encore un petit peu de marge.
véhicules débloqués. Il me semble qu'on a débloqué 16 véhicules au moins dans la carrière pour le moment. Donc c'est plutôt pas trop mal, on va dire. Je suis assez fier de moi. Donc voilà, à savoir que l'épisode d'avant, vous n'avez pas pu voir, la coupure s'est coupée, on en était à 27 minutes de jeu. Donc autrement dit, on avait presque fini l'épisode qui sont environ de 30 minutes à chaque fois. Donc bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Alors ce qu'on va faire, une épreuve WSR, on va faire la série de courses Virgin Media, il me semble qu'il y avait un petit défi avec ça. Donc on est parti, série de courses Virgin Media, on va prendre la BM ou la Mercedes? Plutôt la Mercedes, vu qu'on vient de gagner la BM, pour changer un petit peu. Donc 190E et vous. Donc on est parti, les amis. Record de victoire à la suite en WSR 6. Je crois que je n'ai jamais rien perdu en WSR encore. Il me semble, hein. Véhicule utilisé, le plus utilisé, carrière, c'est toujours la même, hein. Ouais, Nissan Fairlady Z, donc toujours exactement le même véhicule depuis le début du jeu. Donc attention, série Virgin. Attention, course manche 1, 4 tours. C'est long en plus. À surveiller Harrison Carter. Oh, c'est moche sur la Mercedes. Oh, ça fait bizarre, ça fait réglisse. Ça fait réglisse. Ah ouais, je vous avouerai que c'est pas génial. Oh, c'est pas grave, on va faire avec. Bon, ça fait un petit style, hein, ça fait toile d'araignée. Voilà. C'est pas si mal. Allez, dégagez tout le monde. Je vais être plus agressif, nom de Dieu. C'est ce que mes galaxiens m'ont dit, d'être plus agressif. Donc on va rentrer dans le tas, bordel de nom de Dieu. Allez, si je coupais comme ça. Hein, c'est ça l'agressivité, virage coupé. Ah merde. Attendez, ça va me ralentir ma vitesse de véhicule, ça sert à rien alors. Ok, on va y aller comme ça, on va y aller plus loyalement. Ah donc là, on peut très bien... Wouah, couper les virages. Zut, je me suis complètement foutu dedans. Allez. Ok, c'est bon. Là, on y va. On va essayer de contrôler quand même un minimum. Wouah, alléluia. Dégagez. Alors, c'est pas comme dans Gran Turismo, on passe pas des chemins de route à des chemins de terre, par exemple, je me rappelle de Gran Turismo 3. Alors, j'ai plus fait beaucoup les autres Gran Turismo, après, je me suis arrêté au 4. À Gran Turismo 4, après la PS3, j'ai même pas essayé le Gran Turismo 5. Donc, voyez-vous, c'est un peu con, mais bon, je peux pas tout essayer. En plus, Gran Turismo 5 a pris quelques critiques négatives, donc c'est pour ça que je me suis pas non plus rouillé dessus. On va dire, vu que j'ai eu la PS3 assez tard. Donc, Lorenzo Vela est juste devant. Alors attention, wouh, 3-6. Ça faisait longtemps que je ne l'ai plus fait, ça. Alors allez. Hop, alors attention, virage. Wouhou. Lorenzo Vela, toujours premier. Ça m'inquiète un petit peu. Il y a encore 2 tours. 2 tours et demi. Donc ça va, on a encore le temps de le rattraper. Donc on se précipite pas non plus. Bon, tant qu'on ne s'est pas rattrapé par les autres derrière, ce qui est le cas actuellement, wouhou, c'est pas grave. Non, sérieusement. Allez, il faut finir premier. On peut finir premier. On est au troisième tour en plus. Vite, freine. Hop, c'est tout bon. On passe. On enchaîne. J'espère qu'on va pouvoir le rattraper celui-là. Il nous reste un tour et demi. C'est pas dit ça. Alors, attendez. Allez, essayons de l'avoir à la loyale. Hein. Oh, quoique. Ah non, mauvaise idée parce qu'il me repasse devant là. Allez. Ah bon? Voilà. Là, je l'ai eu comme il faut. En plus, je l'ai arrêté. Ça se trouve, il va même pas finir deuxième avec ce coup-là. Ah si, ça n'a rien à voir parce qu'il est quand même assez concentré. Donc là, par contre, attention, on est tout seul devant. Donc on n'a pas d'exemple de trajectoire idéale. Et oui, parce que c'est pas comme sur Forza. Justement, on a beau dire que Forza, c'est la simulation sur Xbox 360. Mais il y a la trajectoire idéale, alors que là, on peut pas la mettre, je crois. Donc, voyez-vous, je sais pas c'est qui la simulation. Mais bon, après on peut très bien la désactiver sur Forza, parce que je vois déjà les commentaires qui arrivent et qui disent « Ah, mais des critiques Forza, alors qu'on peut très bien la désactiver. » Voilà, donc vous inquiétez pas, je suis au courant. Oulala, on va où là? On va là. Ok, alors c'est bon, il me double pas? Non. Ok, on accélère. Vraiment, ça sera beaucoup plus sympa avec le G27. Hein. Ok. Ok, là on est plutôt bien passé. Tout va bien, on n'a pas de soucis à se faire. On est au dernier tour, les amis. Ils sont un petit peu derrière et allez, à 5 mètres. Même pas. Voilà. Premier. Je suis the boss. Like boss. 3 minutes, 1 seconde et 842 centièmes. Magnifique. Allez, on va attaquer la deuxième manche. Il me semble qu'il y a une deuxième manche. Hein. Je m'abuse.
Encore à la suite, toujours 6, pourtant j'en faire une nouvelle, bizarre. Véhicule de carrière acquis 16. Ouais. Et voici la deuxième manche. Brands Hatch, circuit Indy, course manche de 4 tours. Lorenzo Vella, à surveiller. C'est parti! Je vous fais tourner la tête. Allez, sérieusement, on y va. On est chaud. On est patate chaud. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est vrai que ce circuit, on avait pu le voir aussi dans Need for Speed Shift. Directement, on sortait du bordel. Oh là là! Pardon. Pardon, madame. Pardon, je vais y aller. Eh où? Dégagez. Dégage. Oh de Dieu, mais c'est pas vrai. Dégage. Non. Voilà, dans la pelouse. Dégage, j'ai dit dégage. C'est pas vrai, il veut pas dégager. Là, dans la pelouse. Oh putain, c'est excellent. Allez, pardon messieurs, pardon mesdames, mesdames et messieurs, ça va commencer. J'ai coupé virage, non, c'est bon. Ils m'ont pas compté comme coupé virage, donc tant mieux. Je suis content. Alléluia. Là, là. Tac, 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 tac. Je sais, j'arrête de tourner la caméra, ne vous en faites pas. Pardon messieurs, je vous pousse tous les deux. Tous les deux, je vous pousse. Dégagez. Alors toi, je vais te faire sortir, hein. C'est Callum Kirkwood. Oh putain, s'il freine, c'est qu'il faut freiner. Oh merde, 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 merde. C'est bon. En tout cas, la Mercedes dérape beaucoup mieux que l'Alfa Romeo 4C, hein, la compétition qu'on avait pu voir avant. C'est vrai qu'elle est plus simple à conduire, moi, je trouve. Donc c'est plutôt une bonne chose, on va dire. Allez. Hop, oulala, 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 oulala. Magnifique. Quel passage. Oulala. Je vous jure, avec ma belle Mercedes, ma belle Merco, c'est super beau. Et ligne d'arrivée, troisième tour. Et ça continue, encore et encore. Et ça continue, d'accord, d'accord. J'ai ma voiture couleur rouge et réglisse. Wapiting ! J'ai oublié de tourner, comme dirait l'autre. Hop, je regarde pas assez le radar en bas à gauche. C'est peut-être ça mon plus gros défaut, en fait. Allez, 100 mètres, 50 mètres, toujours les indications sur les côtés de la roue qui sont vraiment très bien faites. Ça, encore une fois, super agréable. Moi, j'aime bien. Voilà. En fait, il suffit de décélérer. Si je freine même pas, je décélère. En fait, c'est tout simplement le véhicule ralenti et on va pas trop vite dans le virage et on peut prendre la trajectoire idéale. Voilà. Donc moi, je trouve ça très très bien. Allez, on est parti pour le dernier tour. Dernier tour de piste pour Galaxou, HD Galax, pour Callum Kirkwood, pour Lorenzo Vella et Galax qui va dans le fossé. Non, c'est bon. Qui va dans le terrain. Bruno Silva aussi, qui est très connu dans ce jeu, qui est quatrième. Attention, les quatre premiers sont des monstres. Sont des pilotes monstres. Bon, là, je crois que je les ai un petit peu largués, en fait. Alors, est-ce qu'on va pouvoir gagner un petit succès, on va dire, avec les défis de sponsors? C'est bien possible. Je ne sais pas, selon ce qu'ils ont demandé, je ne sais plus ce que c'est. À chaud quand même, parce qu'ils reviennent rapidement. Oui, mais là, je réaccélère vite, hein, oh. Donc, normalement, peut-être qu'on peut gagner un succès, si style 5 secondes d'avant, je ne sais pas. Apparemment, non, on n'a rien débloqué. D'accord. On a quand même 5 secondes. Ah non, on les... Parce qu'on les a pas, les 5 secondes. Ça m'énerve. On est toujours à pas grand-chose, mais on les a jamais. C'est super. Toujours à un poil de fesses, quoi. Allez, objectif atteint. 2. Ah bah c'est bien, voilà. Alors, je parie sur 600 000 fans. Soyons fous. Waouh, 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 waouh. 624 500 fans. Wouhou. On approche bientôt des 1 million. Bon, faut encore en faire un petit peu des courses, mais bon. Les WSR ont reçu un accueil incroyable ici en Europe. Maintenant, il ne reste plus qu'à sacrer le champion de la saison. Montrons aux fans européens qu'ils ont eu raison de se prendre au jeu. Oh oui. Donc là, il reste encore une fois des épreuves WSR. Et en fait, après, il y aura avec la Flat Fitty, le championnat du moins Flat Fitty. Justement, eh ben, écoutez, la finale. Et avant, il y a une série d'éliminatoires en 3 manches. Donc ça a l'air assez long. Alors ce qu'on va faire, on va faire le défi automobile. On l'a fait, l'épreuve de promo. Il y en a 2 apparemment. Donc Endurance, School, Candy, Barcelone, Live Route. Donc on va le faire écouter directement. Et puis écoutez, on s'arrêtera là pour cet épisode après. Donc l'Audi TT RS Roadster, ouais, ça a l'air bien puissant ça.
Et puis après, on arrêtera là et on gardera. Écoutez, une épreuve de promo et un tournoi. Et enfin, la finale du WSR pour l'épisode numéro 9, le prochain épisode de la carrière suivie. Et après, on pourra entamer, bien entendu, la saison 3 qui nous emmènera dans de nouveaux environnements. Dans de nouveaux environnements, du moins, et je ne sais pas où du tout. Alors, Barcelone, live route, endurance, une manche, 6 minutes. 6 minutes, comme c'est long. Oh, magnifique voiture. C'est parti. Oh, que c'est des paysans. Écoutez, quand on voit ces véhicules, ces décapotables, ces environnements magnifiques, on se dit, waouh, j'ai l'impression d'être en vacances, magnifique. C'est vrai que c'est l'un des plus beaux jeux de course qu'on ait vu. À mon avis, hein, si on regarde bien, techniquement, ce serait peut-être même le meilleur. Mais bon, après, faut voir niveau circuit et tout. Faut voir, c'est peut-être pas le meilleur. Il y a des circuits qui sont très très jolis dans d'autres jeux de course aussi. Allez, nom de Dieu! Poussez-vous! Ah, c'est vraiment très serré, donc. Oula! C'est vraiment très serré, donc pour doubler, je te la souhaite bonne. Ah, apparemment, une Nissan 370Z, si je ne m'abuse. Juste devant. Nathan Lee. Ok, alors attention à lui. Ah, il a pas l'air d'avoir envie qu'on le double. Pardon, je dois y aller. Donc, Thiago Rocha qui est devant. Méfiance. Donc, c'est une course d'endurance, tout simplement. Donc, rien de compliqué, faut tenir. 6 minutes, donc on a le temps encore pour passer premier, hein, c'est pas pressé, hein. Donc tenir 6 minutes dans ce genre d'environnement là, c'est chaud. Allez, on est à Paris. Waouh, 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 bijou, bijou. Alors par contre, pour rattraper le premier, ça a pas l'air évident. Donc on a encore 4 minutes 30. Waouh, méchant. Dégage. Ouais, tu veux être agressif, moi aussi. Ok, oula, je crois qu'il a frappé, non. Non, même pas. Dommage, dommage, dommage. Allez, go, j'accélère à mort. Voilà, normalement, ça me fait gagner de la vitesse, hein. Oh, putain. Pardon, je te passe... Oh là là, comme je l'ai passé devant très rapidement à lui, je pense qu'il a rien compris. Alors là, rien du tout, hein. Ah là là, je vous jure. Donc, je ne sais pas du tout les prochains jeux que je ferai sur la chaîne, à part The Last of Us, qui est sûr. Je vais commencer Farming Simulator, mais pour les prochains jeux de cours, je vous ai dit, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Parce qu'il y aura donc Test Drive Unlimited 2, je vous en ai parlé. Il y aura peut-être un nouveau Need for Speed à ce que j'ai vu. Mais bon, on verra s'il est bien. Parce que Need for Speed, c'est pas toujours des très très bons jeux. Hein. En tout cas, c'est mon avis, bien entendu. Comme le dernier Most Wanted pour moi, bon. Pff, voilà, je l'ai essayé sur console. Mais bon, sur PC, ce qui change, c'était surtout le moteur graphique. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas gros changement. Moi, j'aime pas vraiment le dernier Most Wanted qui est sorti au niveau des Need for Speed. Donc voilà, pour moi, ce ne serait pas du tout les Need for Speed que j'attends vraiment le plus. Ce serait surtout le Gran Turismo 6 sur PS3. En plus, je vais avoir le G27. Donc normalement, ça devrait très bien marcher avec Gran Turismo. Donc c'est surtout celui-là que j'attends. Vraiment, beaucoup. Allez. On y va. On est plutôt bien placé. Oh là. Bijou. Son virage. Oh là là, d'accord, tout droit. On fait le flashback, coco. Hop, bon, quand même, j'amuse. Je suis rentré dedans quand même, mais bon. Nathan Lee est éliminé. Pourquoi? Parce qu'il a cassé. Je ne sais pas. Il a dû casser, à mon avis. Épreuve d'endurance. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Je suis assez satisfait, il reste 2 minutes 45. C'est quand même long ces épreuves d'endurance. Hein. C'est pas vraiment les épreuves qui sont les plus aguichantes, qui tiennent le mieux en haleine, je trouve. Même un petit peu trop long parfois, je dirais. Mais bon. Mais bon, mais bon. Allez. Donc, au vu du rythme qui va et vient sur Grid 2, à mon avis, j'aurai même pas le temps de recevoir mon G27 qu'on aura largement fini la carrière suivie. À mon avis. Hein. Bah vous inquiétez pas, je ferai des vidéos, je testerai quand même le jeu avec le G27. Hein. Enfin, je testerai plusieurs jeux de voiture avec le G27. S'il y a à avoir une prochaine carrière suivie sur un jeu de course, n'hésitez pas à me le dire si ça vous plairait, qu'il y ait d'autres jeux de course en carrière suivie. Ce sera sûrement sur Test Drive Unlimited 2, je pense. Il y aura peut-être même du multijoueur de disponible avec vous. Donc on verra bien, ça peut être sympathique. Moi j'aime bien aussi varier les jeux, donc Grid 2 j'aime bien. Par contre, il me manque la vue intérieure. C'est vrai que... Je sais que sur Test Drive, elle y est. Donc, tant mieux. Pourtant, sur Grid, le premier du nom, bah, la vue intérieure était beaucoup mieux que celle de Test Drive Unlimited, justement. Donc, c'est un petit peu dommage, si je puis dire.
Hop, parce que les vues intérieures de Tesla Unlimited 2 sont un petit peu limitées, j'ai envie de dire. Il n'y a pas non plus des détails dans tous les sens. On va dire que c'est très très jouable. C'est même très bien jouable, je trouve, mais il manque quand même quelques petites choses niveau intérieur. C'est pas nickel, quoi. Ouah ! Oh là là. Ma voiture va être en petits morceaux à la fin de la course. Pour l'instant, on est premier dans ce bel environnement. Premier Galax, deuxième Thiago Rocha, troisième Lucas Cerny, Liam Jones en quatrième position. Et enfin, en douzième position, c'est Nathan Lee qui a abandonné, je crois. Mon Dieu, c'est horrible. Oh mon Dieu, mais je regarde pas la route. Oh le con. Oh le con. Il reste même pas une minute. Allez, 55 secondes à tenir sur cette épreuve. Alors espérons qu'on ne va pas exploser. Je ne veux pas exploser comme une grosse merde, oui. Ok, allez, go. Voilà, voilà. Et je vous ferai également dans quelques jours, les amis, je ne sais pas quand, le test, vidéo test de Remember Me. Il faut encore que je termine le jeu, et je compte vraiment le terminer relativement rapidement. Ça se trouve, je vous l'aurais déjà posté, mais je ne pense pas. Je vais essayer de le terminer le plus vite possible, parce que c'est vrai qu'il est sorti depuis un petit moment, Remember Me, et que j'ai toujours pas fait de vidéo dessus, et de vous donner mon avis. De toute façon, c'est pas pressé, hein. Je ne joue pas du tout l'exclu sur mes vidéos tests, hein. C'est vraiment pour vous donner mon avis, pour ceux qui ont envie de le savoir. Parce que, oui, il y a vraiment un vrai avis à donner sur ce jeu, parce que, mon Dieu, il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire, et il y a de quoi aussi polémiquer, si je puis dire. Voilà, simplement. Donc vous verrez ça dans mon futur test. Allez, objectif atteint, enfin. Ça faisait 6 minutes que l'on attendait ça. Donc on a fait 16 km, c'est quand même très très long. Hein. Allez, continuez, on va continuer un petit peu. Donc on a fini cette épreuve d'endurance. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette épreuve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ou alors on fait une autre épreuve de promo. Je sais pas trop. Alors moi, je voterais peut-être pour une autre épreuve de promo. Non, parce que j'aurai rien pour l'épisode d'après. Parce que j'aime bien vous présenter une promo, si vous voulez, par épisode. C'est pour ça que je ne le fais pas tout en même temps. Donc on va s'arrêter là, écoutez. On aura, donc pour le prochain épisode, si je récapitule, un dépassement. Ah puis en plus, oui, on a déjà vu un dépassement. Enfin, moi, je l'ai vu avant. Paris, Pont de l'Alma. Donc pour le prochain épisode, nous aurons aussi... Eh bien écoutez, les séries d'éliminatoires Von Zyper en 3 manches, donc ça va être assez long. Et enfin, le championnat final, Flat Fitil final du WSR de la saison numéro 2. On pourra attaquer la saison 3 sereinement et avec de nouvelles voitures, de nouveaux environnements et tout ce qui va bien avec. Voilà, en tout cas les amis, portez-vous bien. Encore une fois, merci à tous d'avoir regardé l'épisode numéro 8, si je m'abuse, du Let's Play, de la carrière suivie sur ce grid 2. N'hésitez pas à me dire si cet épisode vous a plu. Et si vous êtes chaud pour la suite, encore une fois, parce qu'il reste encore au moins 3 saisons. En tout cas, les amis, portez-vous bien. Et à la prochaine. Et vive les jeux vidéo. Allez, salut tout le monde.